Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de relaxation où nous allons chercher à relâcher un maximum nos muscles et à détendre notre esprit. Pour la séance, vous allez avoir besoin d'un tapis ou bien d'un fauteuil bien confortable. Pensez à vous mettre également dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé et à placer votre téléphone en mode silencieux. Voilà, je vous retrouve dans quelques instants. Pour démarrer la séance, en attendant, installez-vous bien confortablement. À tout de suite. Nous allons maintenant commencer la séance. Je vous invite donc à fermer les yeux. Dans un premier temps, vous allez focaliser votre attention sur votre respiration et essayer d'adopter une respiration plutôt ventrale, lente et calme. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer une main au niveau de votre ventre afin de ressentir les différents mouvements que guide votre respiration. À l'inspiration, vous sentez votre ventre se gonfler légèrement et à l'expiration, se vider peu à peu. Prenez encore quelques instants pour vous concentrer sur votre respiration. Pour la poser, la ralentir, la calmer. Et dans un second temps, je vous propose de vous centrer sur votre bras droit, en gardant toujours vos yeux fermés. Vous allez pouvoir le visualiser comme si vous étiez en train de le regarder. Comment est-il positionné dans l'espace? Est-ce qu'il vous paraît plutôt lourd, plutôt léger? Est-il plutôt chaud, plutôt froid? Voilà, essayez de percevoir le maximum de sensations et de récolter le plus d'informations possible sur votre bras droit. À ce moment, votre respiration est toujours ventrale, lente et calme. Dans quelques instants, dès que vous serez invité à le faire, vous pourrez contracter au maximum votre bras droit. Donc, soit peut-être en serrant fort le poing, ou bien en cherchant à enfoncer votre bras dans votre tapis, votre fauteuil. Peu importe la manière dont vous choisissez de contracter votre bras. Prenez une nouvelle inspiration. Et maintenant, contractez votre bras au maximum, contractez-le encore, allez contracter. Vous sentez petit à petit les tensions musculaires grandir et le bras droit devenir plus dur, plus solide au fur et à mesure où vous le contractez. Et à l'expiration, vous allez pouvoir le relâcher. Relâchez-le profondément. Sentez les tensions musculaires se libérer de plus en plus. Et vous pourrez maintenant mémoriser ce relâchement, prendre conscience de vos sensations du moment, que ce soit au niveau de votre esprit ou bien de votre corps. Votre bras droit est complètement relâché. Vous pouvez même répétez cette phrase dans votre tête si vous le souhaitez pour bien l'ancrer. Votre bras droit est totalement relâché, mon bras droit est totalement relâché. Voilà, prenez quelques instants pour bien repérer ces sensations de relâchement, pour repérer tout ce que vous pouvez
en termes d'information, lorsque votre bras est détendu, relâché. Et à présent, on va pouvoir se focaliser sur notre bras gauche. On va répéter un petit peu cet exercice. Donc, je vous propose de garder les yeux fermés et de vous centrer sur votre bras gauche. Le visualiser comme si vous étiez en train de le regarder. Donc, comment est-ce qu'il se positionne? Est-ce que vous avez plutôt la paume de main vers le ciel? Ou plutôt vers le sol? Est-ce qu'il est placé loin de votre buste? Ou tout contre? Est-ce qu'il est plutôt lourd, plutôt léger? Chaud, froid? Encore une fois, essayez de percevoir toutes ces sensations, de recueillir toutes les informations qui vous permettent de le visualiser de la manière la plus précise possible. Vous gardez toujours une respiration ventrale, une respiration lente et calme. Et dans quelques instants, vous pourrez de nouveau contracter le bras, donc le bras gauche cette fois-ci. Prenez une nouvelle inspiration. Et dès à présent, contractez au maximum votre bras. Allez encore contracter, vous sentez donc les tensions musculaires qui augmentent petit à petit, le bras qui devient, enfin les muscles du bras qui deviennent plus durs, plus solides. Et à l'expiration, vous pourrez le relâcher profondément. Sentez les tensions musculaires de votre bras se libérer. Sentez les muscles se relâcher, devenir plus mous, peut-être plus léger. Et encore une fois, prenez quelques instants pour mémoriser ce nouveau relâchement musculaire. Essayez de prendre toutes les informations pour construire comme une sorte de souvenir de ces sensations. Vous avez le bras gauche totalement relâché. Vous pouvez de nouveau répéter, si ça vous aide, cette phrase dans votre tête. Mon bras gauche est totalement relâché, détendu. Après avoir donc visualisé nos deux bras et essayé de les relâcher, on va maintenant se focaliser plutôt sur nos jambes et on va effectuer le même exercice sur notre jambe droite. Placez votre attention au niveau de votre jambe droite, de sa position dans l'espace. Peut-être des points de contact avec le sol, le tapis, les différentes zones de votre jambe. Est-ce qu'elle est plutôt lourde? Elle vous paraît plutôt légère? Est-ce que vous avez une sensation plutôt de chaleur? Ou à l'inverse, est-ce qu'elle est plutôt froide? Prenez le temps de récolter un maximum d'informations là-dessus. Essayez de garder une respiration toujours ventrale. Une respiration plutôt lente et plutôt calme. Et comme tout à l'heure, dès que je vous y inviterai, vous chercherez à contracter votre jambe droite. Donc cette fois-ci, on va peut-être enfoncer le talon dans le sol ou bien contracter au niveau de la cuisse. Vraiment choisissez la meilleure manière pour vous de contracter cette jambe droite. Et vous allez pouvoir prendre une nouvelle inspiration. Et ensuite, contractez au maximum votre jambe droite. Allez, on contracte. Donc la jambe se rigidifie, vous sentez les tensions musculaires grandir. Et ensuite, on va chercher à relâcher sur l'expiration toutes les tensions que l'on vient d'accumuler. Laissez-les s'échapper. Relâchez votre jambe, laissez-la prendre la position qu'elle le souhaite.
lâchez totalement votre jambe droite dans le sol ou sur votre fauteuil. Cherchez à mémoriser ce relâchement, à mémoriser toutes les sensations présentes au niveau de votre jambe droite. Essayez de mémoriser de la manière la plus précise possible. Vous pouvez vous répéter dans votre tête que votre jambe droite est relâchée, détendue. Ma jambe droite est relâchée, détendue. Et on va ensuite faire la même chose pour la jambe gauche. Prenez le temps de focaliser votre attention sur votre jambe gauche. Percevez tous les petits détails. Qu'elle vous paraît plutôt chaude, plutôt froide. Comment est-elle positionnée dans l'espace? Est-ce que vous avez les pieds qui partent vers l'extérieur? Est-ce qu'elle est plutôt lourde, plutôt légère? Voilà, à ce moment, percevez toutes les informations, le maximum de sensations possibles. Gardez une respiration ventrale, une respiration lente, respiration calme. Je vous invite à prendre une nouvelle inspiration et à expirer en contractant au maximum votre jambe gauche. Allez, on contracte au maximum, on contracte, on contracte, on contracte. Et on va chercher sur une prochaine expiration, à relâcher cette même jambe, laisser les tensions musculaires s'échapper, relâchez-la dans le sol, libérez-la de plus en plus profondément, et ensuite mémorisez ce nouveau relâchement musculaire, prenez-en conscience. Vous avez maintenant la jambe gauche qui est totalement relâchée. N'hésitez pas à prononcer, pardon, dans votre tête que votre jambe gauche est relâchée, que ma jambe gauche est relâchée, détendue, de sorte à bien l'ancrer. Maintenant, vous avez vos bras et vos jambes qui sont complètement détendus et relâchés. Tout votre corps finalement est détendu et relâché. Également votre mâchoire, votre nuque, votre front, vos joues. Et d'ailleurs, à cet instant, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais votre esprit aussi est détendu. Il est apaisé. Il s'est peu à peu relâché en même temps que votre corps. Prenez le temps de mémoriser ce nouvel état. Donc ces nouvelles sensations pour par la suite les retrouver facilement. Profitez de ces instants de détente, profitez-en pleinement. Voilà, maintenant rappelez-vous peu à peu de la pièce donc dans laquelle vous vous trouvez, du moment de la journée, de l'heure approximative. Essayez de mettre en mouvement vos articulations, donc les chevilles, les doigts, les poignets, la nuque, etc. Prenez une grande inspiration et expirez brièvement. Vous allez pouvoir le répéter de nouveau une fois ou deux fois. Prenez le temps de vous étirer, si vous le souhaitez, d'effectuer tous les mouvements que vous voulez. Et vous pourrez placer vos mains sur vos yeux. Ouvrez les yeux sous vos mains, sous vos doigts. Écartez progressivement les doigts les uns après les autres. Et faites glisser vos doigts le long de votre visage pour revenir à l'instant présent.
Prenez quelques secondes. Contemplez la situation. Voilà, on va avoir terminé la séance. J'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura détendu. Je vous souhaite de passer une excellente journée, de prendre soin de vous, et je vous dis à tout bientôt. Merci.